Salima Nessa, Aborimé, Raxémé, Portique, Célie, Nanretti correspondant, Âme, Inéchédé, Mélorie, Aramo, Hérosanti, Loregan, Logarco, Ali, Milma Sarti, Sorimide, Angocha, Bébé, Chimi. Refloca Corallon, Marie Bora, Bora Temi avec Bachou Kos, Sorgi. Henri-Georges. Allez, tu peux aller me balader. Hein. Est un danseur génial et un chanteur extraordinaire. C'est un formidable joueur de foot et il me fait rire beaucoup. J'aime mon papa et vous savez quoi? Il m'aime et il m'aimera toujours. C'est bien attendre, hein? C'est qui là? C'est Yaya. Je sais pas. C'est la fin. Voici le ventre de maman. À l'intérieur, il y a des œufs. Voici le corps de papa. Ici, deux petites cosses. À l'intérieur, il y a des graines. Bonjour. Bonjour. Allez-y, installez-vous. Bonjour. Vous allez? Bonjour. Quand tout est prêt, après 9 mois, bébé sera enfin maintenant. Maintenant, vous aussi, vous savez ce que tout le monde sait depuis bien longtemps. C'est bon. Pas mal, hein? Oui. Et c'est à quel âge le... Quand il pose la question, s'il pose la question, c'est qu'il doit avoir envie de savoir. Quand ils sont tout petits, quand ils regardent, c'est surtout les couleurs, les contrastes. Oui, c'est quoi, Jonathan, ça? Les couleurs, c'est les couleurs. Et souvent, c'est rigolo. Déjà, on voit qu'ils regardent le contraste entre la couleur claire et la couleur foncée. Et puis là, les lettres, ils regardent plus souvent les lettres que le dessin, parce que ça se découpe. Mais il y a le fait qu'ils commencent à regarder un peu des images. Puis on n'est pas dans leur tête, on ne sait pas trop ce qui se passe finalement. Il se passe peut-être quelque chose. Et puis le fait de leur parler, les mots, ça a une musique. Oui. C'est comme les petites chansons. Coucou. Ils savent qu'on partage quelque chose avec eux. Puis c'est comme ça qu'on commence à se familiariser avec les mots. Il dit quoi, là? Pépé. Vendredi cet après-midi, je me promenais, j'étais bien, la tête dans les étoiles, enfin, j'étais bien sans plus. Et puis tout à coup, j'ai remarqué un type à une dizaine de mètres de moi. Et en le regardant avec attention, j'ai deviné ce qu'il cochait chez lui ce jour-là. Il ne savait pas aimer. Moi, rien ne m'énerve plus qu'un type qui ne sait pas aimer. Hein. Alors j'ai ramassé un pavé, pas plus gros qu'un melon, et je l'ai jeté. Il l'a pris en plein front. Ça fait mal, m'a dit le type en pleurant comme une fontaine. Tu n'avais qu'à aimer, hein, lui ai-je fait remarquer. Aimer, je ne sais pas ce que c'est. C'est ces micro-signales lecture, c'est cet espace qui s'est créé, c'est cet échange, et c'est ça que moi, on essaye, en tout cas, Livre Passerelle, pour moi, de créer. C'est-à-dire que c'est un ensemble qui fait que tu as l'objet livre,
quant à l'objet physique, donc l'être humain, ou l'enfant ou le parent, et en soi, cet objet littérature qui fait grandir. Il y a vraiment l'animatrice lecture qui est là, qui s'installe, qui développe un espace. Et après, il y a effectivement cette place de médiatrice où on rentre dans l'échange. Et ben voilà, quoi. Après, faut savoir peser et mesurer là où faut pas aller ou là où il faut aller. Et ça, c'est pas toujours évident. Il y a bien autre chose qui passe. Il y a ce que tu es, ce que tu as envie de faire passer, cet échange que tu as envie d'avoir avec la personne que tu as en face de toi. Et c'est cette alchimie-là qui va créer un espace. Les parents de Camille s'appellent Louise et Grand Fou. Ils vont à des réunions contre le dollar. Les parents de Camille s'appellent Pamela et Stwang. Elle enseigne le calcul à la télévision. Et il vient de loin. Les parents de Camille s'appellent Papa et Maman. En attendant. Vous voulez venir voir comment ça se passe pour votre dessert, non? Non, ils sont dans le On commence celui-là, puis on verra après ce qu'on se raconte. Le vétérinaire plonge la main loin, loin, loin à l'intérieur de Georges et en retire.